C'est fardon et obligatoire. Wajib, obligatoire, wajib, nécessaire. Il faut permis à le dire. L'obligatoire pour un musulman et un Muhammad avec un l'évêque. Et une petite chose qui est obligatoire pour faire vivre. Pour un savoir, voilà. Non. Alors, ou garde Muhammad avec un l'évêque. Est-ce qu'il y a un savoir dans un Muhammad là? Oui, il nous permet à dire, il y a un jour à l'aide pour gagner un savoir, à dire une récompense dans un Muhammad là. Ça, c'était concernant un l'évêque et un garde Muhammad avec un là. Maintenant, dis-moi le cause, je te dis, dit infini complété. Et événement Karbala, il est arrivé l'année 61 Hijri. Alors, qui fait que c'est cause un l'évêque qui a pas, qui fait que c'est raconte quoi qui a Karbala. Donc là, je commence à attaquer, ou attaque l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, avant, je attaque Majlis. Donc, ils ont dit, dit l'infini complété. Dit l'infini complété, événement Karbala, il arrive 61 Hijri, avec qui ça a affaire avec l'île à l'islam. On aurait quoi de nous dire? Dîn est complété pénatou. Al-Yawma akmaltu lakum dînakum. Allah Rabbul Alamin dit Azouti, nous fin complète ce dîn tout seul. Azouti. Si vous tirez ça, sa ayat là, tu descends que Hajjatul Wada, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas été en Arafat. Ça, tout le monde connaît. Ok. La même étudie à ça. Et dans sa même Maïdan et Arafat, quand Ayat Bédissan dit qu'il complété, là-bas même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui t'y dit? Mandanou al-Hadith, parait de Jami' al-Tirmidhi, Hadith numéro 3786, Mansaron Wahhabi de l'Arabie Saoudite, il y a Hadith Naswahi, Al-Mani, Bishar Wahhabi, il y a Hadith Naswahi, Hadith Nabi 100% authentique, Sayyiduna Jabir, من عبد الله رضي الله تعالى عنه بقابوتسا لجيا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى لجيا pendant que النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تقوم ليسو حج حجة الوداع سامع سير حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه نسو حج Le jour qu'il était à Arafat, jour Arafat, « وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَى » Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, « جِنُوسُ الشَّمَلْ قَصْوَى »« يَخْطُبُ » Et tu peux faire un discours, khitab. Sayyiduna Jabir radiyallahu ta'ala an diya. « Mufintan Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam diya. » Ya ayyuhal nas, o manjibun. Akhirnya, samen su ayat indesan ki dinin komplete lah. Samen su nu nabi beja dengan sahabat. Et là, nous dit, presque entier le monde, ce pan musulman, qui tient à sa l'époque là, man sahabat, ce qui réunit dans le hajj, ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un millier sahabat tient à là-bas. نبي كريم صلى الله عليه وسلم جاء يا أيها الناس أنتمون إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا وبكيت تكيت شوز كوميسون مكيالي دين كومبليتي وي مي وبكيت تكيت شوز كوميسون مكيالي زاد الخمسة دي كيت شوز سافيا مما لن تضلوا شامل سوت نابا كويغاري سا تكيت شوز سا Premier, la danse, kitab Allah, Allah ce kitab, reste attaché à le Coran, jamais ce n'a pas été égaré. Et deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, Wa'id raki, ahla baydi, mon pekin, mon famille, comme ils ont été égarés, ils restent attachés avec mon famille, jamais ce n'a pas été égaré. Hadith authentique, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Wahia Karbala, ça il arrive dans l'Ehle Bayt. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait s'attacher avec l'Ehle Bayt de Nabakou et Kare. Wahia Karbala, il a une relation avec l'Ehle Bayt. Donc, pour quoi concernant l'Ehle Bayt, nous et nos organismes adjudices, nous racontons Wahia Karbala qui de mal est mal à l'homme. Et pas fini. Un deuxième hadith, parait de Swahili Muslim.
volume 6, page 268, indice numéro 6225, et on connaît, Mouhamitié Diaou, comme cause Sahih Muslim, c'est-à-dire dans toute l'authenticité sa hadith, et dans nous. Et la personne qui est capable de dire Diaou non, hadith, là, il fait, et non. Hadith, là, il est 100% authentique. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans Maïdan et Arafat, il nous réunit dans le Sahaba. Hein? Depuis tout pays, il y a dans le Sahaba là-bas. Depuis Makka, Madina, Cham, Yémen. Depuis partout, dans le Sahaba, il est venu. Il finit cause avec tout. Il finit Jésus, reste attaché avec le Coran, reste attaché avec l'Ehl-Bayt. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il termine ce Hajj. Parce qu'il y a des retours de Madina. Quand il retourne Madina, normal, dans le Sahaba, qui est habité à Yémen, Cham, etc., il finit retourne ce pays. Asqa bi Karim sallallahu alayhi wa sallam y entouré avec ce man khas, man sahaba khas, et spécial, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum ajma'in, sont en sahaba. Mais seulement message là important. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam y avait un place entre Makkah et Medina. Comment donnons un petit sa hadith là, lit selon édition Darus Salam, référence qu'il me donnait. N'importe quand vous vérifiez l'édition d'Abu Salam. Alors, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné le Hajj, il y avait une place entre Mecca et Medina. Il réunit sur un Sahaba, khas et spécial, comme Akabir Sahaba, et il dit à un Sahaba, ô un Sahaba et spécial qui proche avec moi, Anaka Rikun Fikum Sahalay, ô un Sahaba, vos petites déquisseuses loups, qui est un poids, qui est précieux parmi eux, Awaluhuma, Kitab Allah, premier c'est le livre Allah, Coran. فيه الهدى والنور ده قرآن من هداية ده قرآن من نور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يجلس أتشي فيما ما بين سا قرآن لا يوصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن بيان كما جاء بوتي فانا أن كوانش فانا بويس أتشي على القرآن ثم قال ensuite النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء سا دوزيام كيلي بكيتي لا يجي أبو بكيت ديكيت سوز كي نا بوكو كوا premier c'est le Coran ensuite il dit wa ahlu bayti mo bekit mo ahli bayt comme ça reste attaché avec ahli bayt et là il dit udhakkirukum Allah fi ahli bayt il répète sa parole là trois fois mo be faire ce rappel Allah en ce qui concerne mo ahli bayt c'est-à-dire gain frère Allah dans ce pays avec mo ahli bayt parce que ça même c'est une meilleure famille au monde. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتيوم وأنا خيركم بيتا حديث بقيت أبو سنان أحمد لجامعة البيتي بيتيا مفامي سي ميليا فامي أمون ميليا فامي أمون ألو اللي تيا حبيل الله فيل الله أن سكي كونسين بو أهل البيت ألو أهل البيت إلا ريلاسيون avec sa dina je le montre et nous comment mis en pratique islam pour ça il faut se banna et là on peut dire tout Wahhabi qui est dans le pays-là. Sa hadith est authentique, Sahih Muslim, et avant ça, maintenant, le hadith qui a été mis en Tébili, qui a été mis en Tébili, Sahih, maintenant, l'Arabie Saoudite, il dit Sahih. Le hadith là, est 100% authentique. Sa hadith, il souhaite habiter présenté. Nous sommes acceptés, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, d'après sa loi, il y a un petit Coran et Sunnah. Sa hadith là, il fait comparer à sa hadith, il m'a présenté là. Al faire recherche là, vous pouvez trouver. Hadith, Coran et Sunna, il parlait de Mustadara. Par Imam Hakim, il y a ce repas 405 Hijri. Il parle de la Sunna Sitta. Sans là, ce qui m'a présenté, il parlait de Jamé Tumidi, il parlait de Sunni Muslim. Les plus authentiques des hadiths Coran et Sunna, Zoum, je fais au Wahhabi. Je dis que les hadiths Coran et Hébé, Tari. Non, le Tala, il fait comparer à Sanala. Mais seulement nous accepter lui et nous nous dire lui comme si une partie de sa hadith là parce qu'il y a un livre qui s'appelle le Coran il dit le Coran donc il inclut Sunna là-dedans il inclut Sunna parce qu'on n'est pas capable de pratiquer le Coran sans passer par Sunna le livre qui s'appelle le Coran donc nous comprenons comme ça le livre qui s'appelle le Coran il dit qu'il y a trois types de choses premier Coran deuxième Sunna et troisième c'est Ahl-Bayt
D'après le hadith authentique Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa première réplique ou hadith qui vous est présenté. Maintenant, Aman Willow Yazid. Yazid. Aman Willow là. Bon, donnons un hadith qui parle de Sahih Bukhari ou réfléchis. Parce qu'alhamdulillah, nous, musulmans, nous, insan, nous, aqal, nous, l'intelligence, c'est réel, n'a pas blind follow un tel, un tel. C'est du rappel. Hadith parlé de Sahih Bukhari, hadith numéro 2691. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il vient en place, il a dit à tout le monde, il vient en place, l'eau qui était, il peut voyager loin du Fedra. Un, il y a un Fedra. Alors, un Fedra, il y a des animaux qui viennent en organiser ça. Mais seulement quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a s'isolé à ce qu'il a besoin d'un respect pour lui. Pas capable de manquer du respect à sa gadhala. Alors le Mekarim sallallahu alayhi wa sallam il a un gadha, il arrive en place. Quand il arrive, il y a un monafique, Abdullah ibn Ubay. Monafique ça, il y a avec la pousse-vitch qui est tellement dans les liens par chez l'imam. Il y a pas que tout le monde qui est tellement dans les liens par l'imam, lié vraiment un musulman. Abdullah ibn Ubay, il y a des liens tellement. C'est ma pas chez l'imam dans les liens. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il arrive prêt avec lui. Qui est un monafique là, dire, Wallahi laqad a'tani nadnu himari. Ya Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reste-moi avec moi, le dire de ton âne, donne-moi du dos. Il manque du respect à un gadha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un sahabi qui est présent là-bas. Sahabi d'aller répondre, un monafique qui te veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce gadha est à le dire, écoutez. Wallahi la himam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, at yamuri hammin, écoutez. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce gadha, ni senti libre qui toi. Tu as pensé des plis bon à terre qui est là, mais Gadha Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plis bon qui toi. Sahih Bukhari, ça. Deuxième hadith, Al-Mustadrak, hadith numéro 4777. Imam Hakim dit, hadith là, il sahih ou l'isnan. Ce chef de narration dit authentique. En bas de nous, c'est qui Hafid Dahabi, il dit, Hafid Dahabi, il hadith là, il sahih. Il rapporte par Sayyiduna Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit, une fois, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fin sochi, fin fini, fin fin fiano, et Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, comme il fini, pensez qu'il allait être vu sa tête, l'un côté des épaules, il y a un imam Hassan, il a un côté des épaules, il y a l'imam Hussein, radiallahu anhu. Ok? Dans un hadith, Nabi Karim, il a assis sur un gadha, sa gadha là, son type libre, qui est mon âme. Dépense martaba de celui qui limite assis sur les épaules de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Qui martaba limite à l'énani? Alors nous terminons ce hadith là. Un hada à la atiqihi, wa hada à la atiqihi, un kilo sa zépaule, un kilo l'autre zépaule. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui en passe maintenant, il peut venir, il peut faire garder avec maintenant, c'est un peu aux enfants. Un démon demande à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vous compte en maintenant? Il dit, oui, vous compte en maintenant. Man ahabba huma, faqad ahabbani. Celui qui compte en Hassan et Hussein, ça dit, mon âme, il a muhabbat avec moi, avec Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wa man abababa huma, faqad abababani. Celui qui n'a l'ennemi qui est rancune avec Hassan et Hussein, il n'a l'ennemi qui est avec moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Maman donne sa hadith là pour comprendre Martaba Imam Hassan Imam Hussein. Sa sahabina, il y réplique sa monafique là. Monafique, qui tu fais aller? Est-ce qu'il y a bat Gadhala? Il y a bat Bessli? Il y a qui dit Gadhala Pidon Lodéa. Il y a qui dit ça. Gadhala Pidon Lodéa, sahabi pan kapaf que pan tolia ça aussi. Et ça n'a là, il y a si qui tu fais aller. L'insiste à insulter Imam Hussein, l'insiste à insulter, on n'est qu'à insulter ça là. Qui me fait pour m'écouter ou après à Karbala? Mais si ça soit Amila, l'indéfend,
لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لك المنافق insist manque du respect. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas besoin de défendre l'imam Hussein radiallahu anhu comme un yézidi qui attaque l'imam Hussein radiallahu anhu? Il parle nous deux fois. Il vient nous deux fois. Et en même temps, quoi qu'il se dise, Walkoum Zorra, son secret. 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 Et tu vas obtenir son antiman là. Et en face, on a dit son antiman là. Mais pensez quand un gadha, les 10 centimes limons qui est mon Afrique, parce qu'il nous n'a pas assise l'eau là. Et c'est lui qui nous assise nos épaules, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les qui quantités parfumées sur les côtes, ça a été. Maqam, Imam Hassan, Imam Hussein. Donc réfléchis, Wahhabi, réfléchis. Il y a beaucoup de hadiths pour faciliter à l'éveil, mais mon sujet, ce n'est pas ça. Après, Inch'Allah, peut-être qu'on va pas le Yazid Sofitna. Yazid Sofitna. Hadith, mon genou qui parlait dans Sahih Bukhari, hadith numéro 120. Maintenant, là, divine intéressant. Divine intéressant. C'est-à-dire que capable de réfuter, réfuter. Essayez de réfuter. Sahih Bukhari, hadith numéro 120. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مفينا عن دي qualités connaissances avec رسول الله صلى الله عليه وسلم premier qualité connaissance il dit ça me propage lui parmi Manjimol et deuxième qualité connaissance là me n'a pas propagé parmi Manjimol si me propage ça parmi Manjimol me n'a pas propagé Abu Hurayra dit ça hadith Sahih Bukhari. Des qualités de connaissance, il y a pas, et là, il dit, et vous connaissez lui-même, il ne rapporte plus beaucoup de hadith. Mais ça, c'est qu'il ne rapporte pas, c'est une connaissance qu'il n'y a pas. Deuxième, là, il dit, ça, on n'a pas dit, ça, sinon, tout ce que vous voulez. Qui était ça? Qui connaissance ça? Mandelou Fatoulbari, arabe, volume 1, page 216. Par Hafid ibn Hadar Askarani, qui vient sur la page 850 Hijri, qui tout le monde a accepté. Et maintenant, c'est pour vous aussi, qui ne traduit pas Wahhabi même. Volume 1, page 237, maintenant, pour nous là, c'est arrivé que quelqu'un n'a pas compris l'arabe, et puis au bout là, il finit comprendre. Et deuxièmement, ça, pour nous là, maintenant, il élabore un peu plus ce qui est Hafid ibn Hajar, il explique en haut. Hafid ibn Hajar, qui l'explique? Nous sommes pour nous là même. Ulama, qu'est-ce que c'est? Ben, ulama dit, connaissance qui a ouvert, radiallahu anhu, pas de propager. Il n'est pas dit propager, il dit qu'on propage ça de tout le monde. Vos hadiths et morales, c'est ça le hadith que Fid mentionne nom de man hakim, man dirigeant zalim qui voit là. Il y a des gens qui sont dans le salam, tu finis d'aller pour Abu Huraira, après moi, pour une fitna. Pour une fitna après moi. Et vous pouvez finir d'aller voir, ça man hakim, man dirigeant, man le roi qui voit là après moi, qui vous crée. Votre nom c'est ça. Alors, Abu Huraira, tu connais. C'est moi, il dit, on ne va pas propager sa connaissance là. Qu'il fait? Parce que ça maintenant, je pouvais me tuer. Je pouvais me tuer. Il dit, mais c'est moi, Abu Huraira, radiallahu ta'ala. Il dit, tu as demandé un droit. Abu Huraira, qui doit te demander? A'oudhu billahi min raksis, sittin. Il y a Allah Ta'ala sous protection contre l'année 60 Hijri. Abu Huraira, tu peux faire ça, toi. Il demande Allah sous protection contre l'année 60 Hijri. Wa imar al-Sibyan. Et il demande Allah sous protection contre imarat de Banjan. Imarat veut dire être prince. Pareil comme on a khilafat. Khilafat veut dire être Khalifa, Imara veut dire être amir, être chef, être prince. L'idée, pour arriver à une époque, le Pégalim, ça va dans les salons de l'idée. Pour une amant du monde, pour le roi, un chef, maintenant pour le pouvoir, Abu Huraira dit Allah, pas fait moi vivre jusqu'à 60 Hijri. Je demande ton protection contre ça et contre ça, Imara devant le jeune. Hafid ibn Hajar écrit, il y a un boulot aussi, il mettait la langue.
يشير إلى خلافة يزيد ابن معاوية. Dans Abu Huraira, chapitre 4, la prophétie contre l'année 60 Hijri, dit qu'il fait ishara vers Khilafat de Yazid. Il y a des gens qui m'ont informé, et vraiment, ça m'est arrivé. Amir Mu'awiya, radiyallahu anh, il gagne son repas l'année 60 Hijri. 60 Hijri, ça m'est l'année Yazid, un khalifa. Déclaré un khalifa. Abu Huraira, chayallah, va faire ma vie jusqu'à. Jusqu'à 60 Hijri. Et là, nous pouvons dire, enfin, il y a Hadith de l'Ola. Il faut publier, clair là-bas. L'Annaha Kana Sana, Sana Tassiti, Mina Hijra. Il dit parce que Yazid, fils d'une khalifa, l'année 60 Hijri, Wastaja Allahu Dua Abi Huraira. Allah fait Kouboul Abu Huraira ce doua, Fama ta Pabla Abi Sana, Abu Huraira, il gagne son wafat un an avant 60 Hijri. L'année 59 Hijri, il gagne son wafat. Un deuxième moment, Moldau Graz, de ce commentaire sur les Bukhari, il écrit la même chose. La même chose, il écrit, il dit que l'année 60 Hijri, Yazid ibn Khalifa, et ici, ça n'a pas Yazid qui vous commet, oui, or vous commet, mais qui n'est pas fitné par Paroué. Beaucoup de fitna finé là. Alors, Wahabi aussi explique ça, il dit que ça même. Look at this and tell it. Ça n'a même un petit peu plus clair. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Sahih Bukhari 7058 Abu Huraira radiyallahu anhu dit Lekin kan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraysh Mu'ummatku barbar Mu'ummatku barbar Mu'ummat pour décrire. Qui s'en a pour décrire Mu'ummat? C'est Manchan des pires Quraysh. C'est Manchan des pires Quraysh. Qui s'en a sa Manchan des pires Quraysh? Ça n'a pas rien. Pourtant, on traduit les mots. Fatul Bari, volume 13, page 10. Hafid ibn Hajar Askalani, Lydia, expliquez. Alors, Abu Huraira, radiallahu ta'ala, nous avons tiré des mains. Protection, on est en protection là, on principauté de man, jeune homme, et marre, être prince. Fille de man, c'est quoi la principauté de man, jeune homme? Man, jeune homme, man, jeune, pour venir, ami, qui était ça? Je te peux vous le dire. Abu Huraira, tu réponds. Il attend à tout halabdo. Et Abu Huraira, il dit si tu obéis à maintenant, tu peux détruire. Si tu obéis maintenant, comme ça va être un prince là, pour venir me voir là, ça va être un zalim là, pour venir me voir. Si tu obéis maintenant, tu peux détruire. Tu peux détruire. Aïe, puis il dit, c'est-à-dire en termes de dîme. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a une dîme dans ce. Et qui s'en a accepté ça, le finit qu'il y a une première indication, c'était Yazid. À cause de ça, il m'a poussé, pas d'accord, pas d'accepter Yazid comme khalifa. Il n'y a pas d'accepter. Abu Huraira veut dire. Si tu obéis maintenant, tu peux détruire. Wa'in asoyitumuhum ahalakumum. Et si tu commences, tu n'as pas obéi, tu désobéis maintenant, maintenant pour venir pour détruire toi, maintenant pour tout toi. Aïe, dunya, c'est-à-dire en termes de dunya, ce qu'aucun de l'argent, ou bien ce qu'on prend de la vie, ou bien tous les deux, qu'aucun de l'argent aussi, ce qu'on prend de la vie, tous les deux. Et Yazid, il fait ça même, vous pouvez venir avec ça là. Reste avec nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. Alors, l'idée, Hafid ibn Hajar, il y a la riwaya de Ibn Abi Shayba. Moussanaf Ibn Abi Shayba. Ça n'a ça, Oustad Imam Bukhari, il y a ce wafat 935 Hijri. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, il y a un tabi-tidia. Kana yamshi fissu, di mawsida, da mawsida, baqsa, l'idée, Allahumma la tudrikni sanatu sinti, ya Allah, pa faire moi, git l'année 60 Hijri. Fini de moi, Et qui côté dit je vais demander ça toi là? D'abord, déjà pour faire mal les autres, si on ne dit pas directement tel, du monde pauvre, ou faire maintenant, il y a un père sur la vie, mais seulement il dit fini, donne une indication de l'écrit, il y a pour moi l'année 60, il dit ça. Oui, on a beaucoup de problèmes de ça au moment là. Alors, Hafid ibn Hajar al-Asqalani, l'idée, Wafi Allah,
là-dedans. Il y a un ishara, il y a une indication. Il y a un awwalul. أن أول الغيمة كان في سنة 60 لجدا حديثنا إن هي سقومة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سقومة والدكري بابا الشن الشنة كسانا تي برومي بومي لدن في ديبو هتر ديا سن كومنسي دا لاني 60 هجري وهو كذلك إلي تي كوم شامل كي فيه فإن يزيد يا معاوية أسلوب لفا في هل جاكوسكي دا سالانيا يزيد من Yazid est une khalifa. Donc Yazid est pour faire face à une détruire sa ummah la mibari. Voilà. Imam Asmalani dans le Shah Dussari, volume 10, page 170, lui aussi lui donne même, presque même explication qui rapide du Muhadjad. Wahhabi, Molvi Daouraz, dans ce commentaire sur l'Ibokhari, lui aussi lui donne presque même explication. Troisième hadith. Okay. Deuxième hadith, il y a un truc clair. Il y a encore plus clair, on peut le tirer qu'un clair. Hadith apparaît dans Mousqan Bazar, etc. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu amru ummati qaniman bil qiswi hatta yakuna awwala man yathlimuhu rajulun min bani umayya yuqalu lahu yazid. Clair, clair, il y a là-dedans. Il veut dire, pour avoir la justice dans vos ummah, la justice pour prévaloir, jusqu'à ce qu'arrive l'époque Ndjimon, qui appelle Yazid, Yazid pour décrire sa la justice à vos collègues. Prédiction de l'Amérique du Sénat. Voilà. Voilà la réalité de Yazid. Alors, Yazid, qu'il fait? Qu'il fait détester Yazid? Yazid, dit-il donne l'ordre pour faire shahid Imam Hussein, radiallahu anhu. Première référence, Imam Ibn al-Athir, il y a eu wafat l'année 630 Hijri. Dans le Kamel fi Tarif, volume 3, page 224, il rapporte ce qui est Sayyiduna Ibn Abbas, radiallahu anhu. Sayyiduna Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit-il présent l'époque. Tarif sal la guerre Karbala, il dit là, il dit vivant. Il n'est pas mis la paix, c'est parti, il dit là, il dit vivant. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhu, Yazid, tu es allé en bête. Ibn Abbas ne répond pas à cette là. Dans sa réponse, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit à Yazid, wa qad qatala Husayn, O Yazid, te douille Husayn. Tu es responsable pour ça. Tu es responsable pour ça. Deuxième référence, Hafiz ibn Kathir, l'auteur de Tafsir ibn Kathir. Tout Wahhabi d'accord que ça, c'est un savant qui il y a une autorité, il a accepté dit surtout, il y a un grand hadith, il y a un grand fassir, il y a un grand warir historien de l'Al-Bidaya wa Nihaya, il raconte l'histoire islam. Volume 8, page 243, Hafiz ibn Kathir, il écrit à L'hypécose concerne Yazid. Vous trouvez une nouvelle phrase là entier là, où en fait, parfois Yazid mentionne Yazid là. Et après, en bas, il dit Annahu qatala al-Hussein wa ashabahu, c'est Yazid qui fait faire qatal Imam Hussein et son compagnon de Karbala. Yazid, tu es responsable pour ça. Yazid, tu es responsable, Yazid, il fait chahid Imam Hussein de radiallahu ta'ala anhu. Al-Bidaya wa al-Nihaya même, volume 8, page 239. Ok? Pour comme ça, Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad. Il y a un petit peu de gouverneur, Koufan, c'était les mêmes qui ont envoyé tout ça, Al-Fashari, Imam Hussein, radiallahu anhu. Ubaydullah ibn Ziyad, il tient là-bas pour le Yazid. Alors, Ubaydullah ibn Ziyad, Yazid, tu es chrétien, mais tu viens de connaître. Al-Makka, la guerre contre Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Abdullah ibn Zubayr est un Sahabi. Il est un Sahabi, et lui aussi n'est pas accepté Yazid sur le Khilafat. Il n'est pas accepté. Donc, Yazid, avec Ubaydullah ibn Ziyad, Al-Makka, à l'attaque lui aussi. Ubaydullah ibn Ziyad, il y a un homme, jamais on n'a pas fait ça. Et on a fini faire.
un gouna mon fini faire. Qui gouna mon fini faire, mon fini tuer Imam Hussein, radi Allahu anhu. C'était à cause de Yazid, qui voulait qu'il m'en l'arrière contre Baba, contre Haram, de Haram à l'arrière là-bas. Déjà, non, on n'a pas pu faire ça pour Yazid. Donc, nous y avons même pas confirmé que c'était Yazid qui s'est donné sa loi-là, ou Al-Fashanid, Imam Hussein, radi Allahu anhu, Al-Bidaya, Al-Nihaya, Imam Suyuti, de Tarif al-Khulafa, il écrit, page 158, il dit que Imam Hussein, radiallahu anhu, bin Shahid, Ibn Ziyad, il envoie l'adit Imam Hussein et tout le monde bin Shahid pour Yazid. Au commencement, Yazid est content. Il dit envie de sa même. Mais après, Van Timoni commence critiquer, Van Timoni commence détester. Alors, il exprime son regret. Il déclare maintenant qu'il est regretté. Mais seulement, c'est pour faire maintenant content. Pour faire maintenant croire qu'il n'est pas responsable. Mais seulement, non, il est content. Et nous le dire, à sa maintenant qu'il dit qu'il n'est pas responsable. Allez, n'acceptez pas un petit moment qu'il n'est pas responsable. Tout ça, par exemple, le fils de ton papa est d'accord, on accepte pour un petit moment. Ok, il n'est pas responsable. Mais les petits khalifas, les petits chefs de la musulmane, Ibn Ziyad, Ibn Sa'ad, ils ont fait autant de zulm à l'éveil. L'islam est condamné ça où tout et n'importe qui musulman, ou tu es n'importe qui musulman, et dans la loi islamique qui applique l'oli ou le bizan, hein? Tout ça là. Donc, vous avez fait une sanction contre Saban, pas de rien. Parce que Saban là, ils ne sont pas fait chahid, n'importe qui s'en a, ils ont fait chahid, la famille n'a plus qu'à sallallahu alayhi wa sallam. Si Yazid n'est pas responsable et Yazid n'est pas d'accord avec ça, qui sanction Yazid fait prendre contre Ibn Ziyad et Ibn Sa'ad? Je challenge les mondes wahhabis, amène un seul livre d'arif, mettez devant moi, et voilà, Yazid impuni Ibn Ziyad, Yazid impuni Ibn Sa'ad. Amen. Si il n'est pas responsable, il n'est pas content, écoute l'impuni banda. Tu se veux voir ça, si il n'est pas responsable. Amen. Ok, parce que le deuxième crime qu'il y a ici, il est fait. Il attaque Madina tout le monde à voir. Donc, il y a ici, il déclare Khalifa l'année 60 Hijri, l'année 61 Hijri, il fait Shahid, Imam Hussein, radiallahu ta'ala. Après, là, la famille, elle est belle, je n'ai pas après, on écoute Wakia, je retourne Madina tout le monde à voir. Quand ce fils retourne Madina tout le monde à voir, de Madina, comment Yazidi, il agit avec un éveil d'Yakar, Robana veut dire qu'il n'a pas accepté Yazid comme Khalifa. Je ne casse le père. Je ne casse le père. Beaucoup de nous parlent d'exploration, même il vous t'aimait qu'il y a beaucoup de nous. Mais c'est ce qu'on comprend. Qui fait Yazid qui donne l'autre attaque Madina. L'année 63, il dit qu'on peut monter. Man, habitant de Madina, je dis, vous ne pouvez plus accepter Yazid comme Khalifa. Quand Madina dit, vous ne pouvez plus accepter Yazid comme Khalifa, Yazid de l'autre attaque Madina, tout le monde a voir. Parce que, nous avons un hadith. Hadith Sahih Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, wa harramtu al-Madina kama harrama Ibrahim ou Makka. Dit-il, vous venez faire Madina, bin haram. Pareil comme Ibrahim a.s. qui a Makkah bin Haram. Madina, Haram. Ou pas gagner un droit. Ou pas gagner un droit de tuer un animal. Ou pas gagner un droit d'ascender. Ou pas gagner un droit parce qu'il Haram ça là-bas. Madina Munawara. Et Madina Munawara, ce chant, c'est ça. Qui est un djimoun. Et là, elle nous dit à l'attaque Madina. Ça dit grave. Mais si un petit monde n'est pas pour attaquer la ville, n'est pas comploté, n'est pas faire l'intention pour attaquer Madina, n'est pas pour faire rien, n'est pas faire l'intention, ça aussi est grave. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à Hadith Sahih Bukhari, celui qui est comploté contre l'habitant de Madina, n'est pas être détruit. Pareil pour ma comprendre, disait le maître de l'eau, disait la folle, il est détruit, il finit. Comme ça même, c'est lui qui complotait. Pas peut dire attaquer l'un, mais dire qu'il est comploté par l'attaque par l'habitant de Madina, il peut détruire.
Et c'est lui qui fait pour le monde par habitant de Medina, lui, sa punition là, pour lui, sa conséquence là, pour lui, c'est lui qui l'a attaqué même. C'est lui qui l'a attaqué. Qui va régler? Il y a encore ma four de vous-même, il y a encore pardonné même, il y a encore tchèque même. Elle s'en est pour faire de nous, mais elle s'en est pour faire de nous. Elle s'en est pour faire de nous. Elle s'en est pour faire de nous. Elle s'en Maintenant. Un troisième hadith nous le dit. Un troisième hadith nous le dit. Et ça, sa parole là, sa hadith là, Sayyidina Abdullah, Jabir bin Abdullah, radiallahu anhu, qui nous rapporte sa hadith là. Et quand il étudie ça, Yazid, quand il fait un attaque Medina, Yazid, quand il fait un attaque Medina, alors, look at the hadith là. Abdurrahman, بن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله هو كني عن صحابي سا عبد الرحمن سي سوغاسو الو عبد الرحمن جي ان زو سوبا با جابر فين سوتي كيسو يوم الحرة جو حرة جو كي يزيد سلامة شاتاك مدينة أبيسا حرة واجو حرة Quand Sayyiduna Jabir in Soji sa soula, man yasidi pi atak Medina, et Sayyiduna Jabir radiallahu anhu, il finit une vieille astère. Une vieille, une vieille. In Soji sa soula, en rousse in bine in tap avec ce liquide. Ben yasidi pi atak Medina là. Et ça, vous ne comprenez pas non, il y a ça. Là, nous guérir là. C'est qui, après qu'il vous termine, vous termine, j'ai dit yasidi in fer da Medina, par l'autre yasidi. Alors, ça n'a même sorti un truc, une fille vérifiée, une sortie en dehors sur la place, une grosse ville d'apostolique. Ça ressemble à l'apostolique, il dit Ta'isa, man akhafa Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, on me donne référence, hadith al-Albani selon, Hassan selon Albani. Voilà, référence là. Alors, il dit Ta'isa, man akhafa Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est lui qui peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam père les barbares? Qui est déjà là? C'est lui qui peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam père qui s'adjoint à barbares. Environ 63 hijri là, 50 ans, plus que 50 ans, après au fait de dire que sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé ça. Mais Sayyiduna Jabir dit, c'est lui qui fait nos Rasul père. Alors, ce gosse de Mali, papa, mais comment, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est capable de faire Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faire? Elle est venue à ce wafat, surtout. Qui s'est capable de faire? Léana, Sayyiduna Jabir, radiallahu ta'ala, anhi, répond, déjà, mon tel Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dire, écoutez, dire, c'est lui qui fait un habitant de Medina, ni fait un ansar, ni vivant là, ni fait un la paix, comme si il peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait. Hadith, Albani dit Hassan. Voilà, donc il attaque Medina comme si il attaque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un beau manfour là où même, il y a un beau pardonné même, il y a un beau jannati même. Ibn Kathir, de Al-Bidaya wa Nihaya, volume 8, page 241. Il dit, Yazid envoie un malfaiteur, un zalim, Muslim bin Uqba, les mêmes petits commandants de l'armée qui t'y mène en attaque Medina. Les mêmes petits amirs de sa armée, Yazid il envoie. Yazid quand il envoie, alors, voilà, voilà Wahhabi, get là. Après Ibn Kathir, il dit, Kama amarahu Yazid. Comment Yazid dit au nom de Muslim Benoukba? Muslim Benoukba, il dit oui, mais il n'est pas venu par lui-même. Yazid dit de lui l'autre. Yazid dit de lui l'autre. Au Muslim Benoukba, prends une larme et toi aller. Et toi, Medina, vous pouvez faire Medina une Mouba pour toi. Qui était ça? Mouba. Mouba veut dire permissible. Maintenant, est-ce qu'il nous viendra prendre la vie à musulman? Il est haram. Est-ce qu'il ne vient pas qu'aucun du bien musulman? Il est haram.
Est-ce que mon grand-père prend Isaac et Madame Musulmane? Hein? Grand-père Rahim et Madame Musulmane? Les haram. Les haram. Yazid, si tu as pour faire Madina, il m'oubah tout seul. Tu as grand-père Touye, tu as grand-père Pouquet, tu as grand-père Rahim. Alors, Hafid ibn Kathir dit avoir pas de la khalqa min ashrafiha wa qurraniha. Et maintenant, je te fais muni, je te fais tuer. Beaucoup d'antimones. Et qui ça? Qui va nous dire que tu es dans Madina, tu fais habiter dans Madina, l'année 63 Hijri, tu l'époque de Ban Sahaba et l'époque de Ban Tabirin. Sahaba Tabirin, tu verrais ça va. Yazid le blot, en plus. Wattahaba, amwana, kathira taminha. Et on a fait beaucoup du bien de Ban Salma. Wawakaasha, bon ari, professeur Nari. Beaucoup de dissensions, beaucoup de fitna dans Madina. Astia, quel deuxième? Mandiaou concernant Abri. Quand je me dis ça, Ibn Kathir écrit Al-Hilaya wa Nihaya. Wa Abaha Muslim Ibn Rukba Al-Madina Thalatha. Pendant trois jours, il y a tout qui se jaïs dans Madina. Tout qui se jaïs. Yam Touloun en Nas. Je suis tout le monde qui est dans Madina. Je suis tout le Sahaba Tabi'in. ويأخذون الأموال زفين كوكال الأرشا بارسيستا أسفير ديكي بان زم بان أكسبتي يزي كم خليفة سما قد يزو كسو بيعاك عبيك يزي سيسيس بان أم كي كونسييني عبيك سا بان مدام زم با كونسييني لأدو كيفية تبسي عطاك بان مدام مدام كي ناكو فيه لأدو حقيقة كثير بيخير لنس ماما بو بنبا سكي تايمي عدو تايمي عندي ووقعوا على النساء حتى قيل من في الزنا من مدام وقع على بجد في الزنا أمي من مدام زن فيول من مدام كي كونتيتي حتى قيل إنه حمل ألف امرأة في تلك الأيام من غير سوء هي من مدام سلمان من مدام سلمان في توم برغنت باكو زن مشي Oh Yazid rahmatullah alayh jannati to aba ensemble ali daba ibn taymiyah Omar accepte ce qui to ibn taymiyah fi tiyab look at this fa inna ahla al madinati an nabawiyya naqaru bay'atahu wa akhraju nawabahu wa ahlihi ban habitants de Madina Je ne vis que le gouverneur Yazid dans Madina. Gouverneur Yazid dans Madina. Je ne vis que le Yazid, vous connaissez? Allez, nous n'avons pas besoin de voir. Parce que nous cassons nos bérats avec Yazid, nous n'avons pas accepté comme Khalifa. Allez voir. Nous n'avons pas besoin de voir. Fabaratha ilayhim jaisha. Alors Yazid, il envoie que le Banna en dormait. Yazid, il envoie un armée Kodban, habitant de Madina. Voilà, je vous dis, qui fait un ma Moussel, il sort de Madina, un ma Makar, un ma Kal, il sort de Koufa, et ma Moussel, tu connais, qui s'accrabit cela, il n'y a pas, il n'y a même Izzat ou Haram aussi. Il n'y a pas qu'un Makar, Martaba, sa place là, s'accrabit cela, il n'y a pas qu'à Madina, il n'y a pas qu'à Makar. Donc il m'a montré, il m'a tombé comme si l'élimine la raison pour Yazid attaque Madina. Donc ça dit une sortie d'inale. Une sortie d'inale. Et ça fait bien ça, il finit par la vie, il m'a montré, mais seulement il attaque Madina. Il envoie l'homme. Il envoie l'homme. Qui lui dit? Wa amarahu idha lam yutri'uhu ba'da thalath. Il dit, guettez, je t'allais, je cause avec un habitant de Madina, Diabanna, accepter Yazid comme Khalifa. Et si je n'ai pas d'accord, je n'ai pas accepté, il y a le khulaha du saïf. Si je n'ai pas compris quand même, rentre dans Madina avec l'épée. Rentre dans Madina avec l'épée. Wayubi haha thalatha. Et fait Madina bin Mouba pendant trois jours. Fasara askaru fil Madina al-Nabawiya thalatha. Donc Yazid se l'emmène et ne rentre dans Madina. Parce que maintenant, habitant de Madina, on n'a pas accepté Yazid comme Khalifa. Le fait, c'est que tu as envie de ne pas accepter la même.
Alors Yazid se l'armée, il rentre dans Madina pendant 3 jours. Ils ont fait, il y a colonne, je fin tuer ma musulmane, ça va t'arriver. Voyez ma bonne, je fin coquin du bien de ma musulmane. Voyez Fatoun al-Furouj al-Muharrama, je fin ré par madame musulmane. Ibn Taymiyyah peut dire, pas fini. Quand il termine ici, ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة. Ensuite, il envoie cela en Mekka. Il encercle Mekka. Je n'encercle Mekka. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, qui dit à l'aïe, quand j'accepte Yazid comme khalifa, il dit dans Mekka. Il envoie l'armée par l'attaque lui-même. Abdullah ibn Zubayr, qui lui fait, il trouve l'armée Yazid, puis il attaque lui, il paye dans beaucoup, beaucoup de monde avec lui, il rentre dans Kaaba. Il rentre dans Kaaba. Il dit à l'écoussée de Kaaba, « Wa man dakhalahu kana amina le Qur'an » Et ça, c'est lui qui rentre à l'issée. Mais si ça m'a traduit cela, « Je tiens à l'issée pour Kaaba » Non. Je ne sais ni manjali en machine qui se met roche là-dedans et après je envoie ça. Je n'envoie roche au Kaaba. Je ne brille ni d'affaire Kaaba. Et pendant qu'ils ont fait faire ça, Yazid dit « Bon !» Yazid il mort. Quand il mort, clair là, c'est clair qu'il finit mort. Alors, madame, dans sa collection hadith, volume 44, hadith numéro 94, quand tu arrives à ce problème de Medina pendant 3 jours, ça, il y a assez populaire. Tiena en Tabir, Saïd ibn al-Musayyab, radiallahu ta'ala, tu peux déclarer un peu fou. Sinon, si pas tu déclarer fou, maintenant tu peux tuer lui aussi. Maintenant, tu peux tuer lui aussi. Déclore un peu faux. Et lui, tu peux rester dans la cité de Nabawi. Et déjà, pendant 3 jours, Hassan va te donner là. Hassan et Kamat va te donner dans la cité de Nabawi. Quand Yazid se l'a fait, bien, n'a pas fait cause. C'est à l'époque-là, c'était l'époque où Sahabat avait. N'a pas fait cause à ce qu'il y a là, surtout seulement. Qui est là, une fois par semaine, une fois par année, un an, une masjid là. Mais pour ça, quand tu es musulman, tu peux cause un bâtard de mansi. Et même à dire que le monde a voulu, quand tu vois, tu aller, il reste plein là-bas. Tu m'en restes minimum. Et pensez, Yazid, sur l'armée qui, quand tu dégages un visage de la Medina, qui s'amène sur Rabat, à Verena, pas être capable de vivre dans la cité de Nabawi pour donner Hazan. Hazan n'est pas mal pas donné. Et c'est une Nasserine, il nous conseille, radiallahu anhu, de tuer des glories avec vous. Il reste dans le mosquée même. Et quand il reste dans le mosquée, peut-être qu'il y a une fermée en place ou bien qu'il y a une fermée dans l'Ujra, dans la chambre, côté de la Qadr de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et ça lui paraît plus, comment dire, plus plausible qu'il y a une petite fermée dans la chambre là, côté de la Qadr de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il dit « Wa kana la ya'arifu waqtas wala » Il n'a pas pu connaître quand il arrive à Namaz. Comment nous connaissons la main, c'est soleil, lever, soleil, coucher, etc. Non. Il n'y a pas de péconner. Comment? Une seule façon de péconner la main, c'est à travers la voix qui tu peux sortir et puis dans le cadre de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Cadre de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant de tout ce qui peut passer dans ce Madina Munawwara. Ok. Yazid, il attaque Madina, ça nous termine avec ça. Maintenant, nous venons avec Yazid. Yazid tient Fasik. Yazid tient Fasik. Fasik à quel point? Hafid ibn Hajar, il est fait de Tahzib ou Tahzib.
qui une fois un dimon en présence de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu. Félicitien Dieu est connu comme Omar second, deuxième Omar radiallahu ta'ala anhu. Un dimon qui connu lui dit à Khalifa Kous concernant Yazid, il dit à Yazid Amirul Mu'minin. L'inègue dit à ça, Yazid est Amirul Mu'minin. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu avec sa dimon qui te dit là يزيد أمير المؤمنين سكن جيالا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إجا دون تجمونا بكت فوي بكت فوي زي سكوز إن جاء يزيد أمير المؤمنين ألو سوى أبي كي سوجي بجا يزيد جنتي سوغورو لما لولند باكستان منا بجا أمير المؤمنين سيدنا يزيد رضي الله عنه هذا إسم الغورو دو دالن زكية نايت بجا يزيد من الله بيتيز بيدم سيسوت تدلكو كمار بن عبد العزيز كنت فوق كتبوني تفعل نوعي تفعل فتوبة دا دنيا نبا بغني دا عشدة تبغني دا فتوبة حفيد ابن حجر السلامي إمام نجيا C'est un bidaati fasidul i'tiqad qui soit qida pardon. C'est lui-même qui vous compte à Yazid. Mais qu'est-ce que vous pouvez trouver un Yazidi fini connaît qui ça un bidaati ça. Ça c'est le vrai bidaati. Ça c'est le vrai bidaati. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani Hafiz Zahbi, là il est intéressant, comprend ça. Peut-être qu'il faut le nouveau pour vous. Hafiz Zahabi dit qu'il s'est élevé de l'Ibn Taymiyyah. Mais c'est vrai que c'est la même affaire comme l'Ibn Taymiyyah. Dans le siècle Aram et Nubal, il écrit concernant Yazid, il dit « Wakana Nasribidjan ». Yazid tient Nasribid. Nasribid veut dire « Nasribid veut dire celui qui détestait Hadrat Ali radiallahu ta'ala. » Détestait Hadrat Ali radiallahu ta'ala. Donc, un démon qui détestait Hadrat Ali, normal, il peut détester la famille de Hadrat Ali, radiallahu anhu, les enfants de Hadrat Ali, radiallahu ta'ala, ce qui donne une indication, Yazid, même qui t'y ordonne pour prendre la vie de l'imam Hussein, radiallahu anhu, parce qu'il n'est pas t'y content même, l'imam Hussein et sa famille. Hafiz Zahabi peut dire ça. Et Yazid, qu'il dit peut faire, Yadana walul muskir, qui tient sous l'or. ويفعل المنكر لفعل خبائي كنا فبزاتير لنكمس سوغين فتوي إمام حسين رضي الله عنه لنكمس سوغين فواقع حرى فتح مدينة من جمون في البيت استيبي أبي ذهبي جيا ولم يبارك في عمره ألا قد بركة جسولابي حفيد ابن كثير بكير البداية والنهاية والمويت باش 239 سيدنا أبو الله بن زبير صحابي رسول تدا مكة dans son خطبة 6.5 تيكو un صحابي il peut faire خطبة est-ce qu'il est possible un صحابي pendant son خطبة il pose menti ça va rentrer dans la tête حفيد ابن كثير بيقول ça الصحابي أبو الله بن زبير رضي الله عنه يزيد تي شارب الخمر تنسولا يزيد تنسولا voilà comité fatwa de l'Arabie Saoudite suivez ça bien c'est important comité fatwa de l'Arabie Saoudite c'est un panel de manoufli wahhabi la tête ça les couple là tient à Ibn Baz Ibn Baz pas son propos vous pouvez avoir avec moi la vérité Fatwa al-Ajna volume 3 page 285 où vous trouvez là-bas à la fin de Fatwa là il met Ibn Baz selon et encore des mouftis Ibn Baz qui l'a fait Ibn Baz et ce panel mouftis wahhabi maintenant se écrire concernant Yazid veut dire ولكن جرى بسببه ما جرى من مسرع الحسين بدي اقوز يزيد بسببه اقوز يزيد امام حسين رضي الله عنه الشهيد كسانا بجازا نوصل لنا جماعة بجازا لا وهابي بجازا لا عبي ساوجد
كوميتي فتوى، ولكن جرى بسببه ما جرى من مزرع الحسين. أقول يزيد ما حسين في نفسه، وفعل ما فعل بأهل الحرة. يزيد من فيس في لجنة فيها دا حرة بجل نتاق مدينة تسكين نتجين نتاق مدينة لا لا كوميتي فتوى لها بساوشي بداكو زوجي يزيد بني يجب tout ce qui peut dire une attaque marine, etc. Tout ça, la menti, ça. Voilà, menti, ça. Voilà, menti. Tout le monde peut dire. Wa fa'ala ma fa'ala bi ahli al-harra. Et qu'est-ce que ça va nous avoir là? Qu'est-ce que ça va dire? Wa lam yakun sahiba. Yazid va être sahabi. L'inné, dans les années 25-26, il est. 25-26, il est. Il n'est pas sahabi. Mais seulement, et comment dire, il tient un vrai imam voilà, un tabiri, vrai imam voilà, un tabiri, il n'a pas eu ça, ça. Mais un tabiri, il dit, c'est comme imam au lié là. Comme il dit, faut voir l'arabe saoudite, il dit, ah voilà, il y a tout le sahib, il y a ce qui va dire, le sahabi, voilà, min au lié, il n'a pas eu le sahib, il n'a pas eu le sahib, il n'a pas eu le sahib. Il y a ce qui va dire, il n'a pas eu le sahib. Donc, ça m'a dit que je suis Yazid Tchatnati, que je suis contre Dieu, que je suis contre Moufti. Qui fait maintenant que je suis parti pour vivre en Orléans là? Qui fait maintenant que je suis ça? Parce qu'il y a un attaque d'Imam Hussein, il y a un chahid d'Imam Hussein, il y a un attaque d'Imam Hussein. Parce que, un autre fois, Yazid Tchatnati, un grand bonheur, c'est ça, un ulama, pas fait accepter le rivayel. حديث بيزيد، فالتابعين سبقوا الحديث، بيكون سنو يزيدو، يزيد سوري وياه فاكسيتي، أفيده في إكيلا ميزان إرتيلا الولد سات، باش 262، دوبلا، إن هي بيكون سنو يزيد، إجا مقدور في عدالته، لسو عدالة سكا أكيرت نهارون، ليس بأهل أن يروى عنه يزيد Il n'a pas faux qui est capable de raconter un hadith de lui. Il n'est pas faux. Qui fait Rafi Rabin dire ça? Rafi montre un seul hadith qui nous a dit qu'il n'a pas faux de lui. Que Yazid Tchad n'a dit là. Montre un seul hadith. Au contraire, wa qala Ahmad ibn Hanbal, la yanbaghi an yurwa anhu. Imam Ahmad ibn Hanbal dit Yazid n'a pas mis un rapport de hadith de lui. Pas mis un rapport de hadith de lui. Même ma fille du Mouhajar Salani aussi. C'est un ulama qui va un expert dans le domaine hadith. Dans le Taqlib ou le Tahzib, page 1083, il dit à Conseil Yazid, laïssa bi ahlib al yurwa anhu, li n'a pas vous qui capable à votre hadith de lui. Ok. Hadith Constantinia. Le Wahhabi s'est avec vous, vous voyez Yazid Jannati. Next week, I'll see you shalom. Sahih Bukhari. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ya awwal jayshin min umati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Premier homme de Dieu au Ummat qui parle de jihad dans la ville de César, dans la ville de Qaisar, maghfurun lahum, les filles, je suis d'être pardonné. On a vu ce plus grand argument ça. Same to Daniel Agosa. Premier homme qui a fait jihad là. Qui premier homme qui a fait jihad là? Maintenant, il y a Yazid Tchilada. Et dans le hadith qui parle de Sunan Abi Daoud, hadith là, il y a authentique après Albani. Et après, nous voyons ce qui est Imam Tabari. Hadith qui parle de Sunan Abi Daoud, Aslam. أبي عمران يجي نفينال في الجهاد دم مدينة دلابين لكستنطينية نفينال في الجهاد لبا وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن وليد كماندا في سا لاملا تي عبد الرحمن بن خالد بن وليد خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه سبحانه يجي كماندا سلاملا فنال في الجهاد لكستنطينية كيسانا تي كوماندا عبد الرحمن بن خالد بن وليد.
Qui n'a rien à faire avec le jihad là-bas? Imam Tabari, l'auteur de Tafsir Tabari, il dit qu'il n'a rien à faire avec le jihad là-bas l'année 44 Hijri. 44 Hijri. Yazid, qui n'a rien à faire? Imam Ibn al-Athir dit Yazid, qui a allé dans les années 49 ou bien 50 Hijri. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit premier homme qui va faire le jihad là-bas. Et Yazid, pas qu'il a premier homme là-même. Il est parti dans le premier là, mais là-même. Mais de nous, c'est qui va le savoir, il est créé à l'Olama. L'Olama va le prendre à l'Olama. Deuxième réponse. Concernant ce hadith-là. C'est ça. Hafid ibn Hajar al-Asqalani, il fait la fatwa de Bali. Il dit que certains dans l'Olama, je vous dis, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le hadith-là, il dit Madina ta Faisal. Premier homme qui a fait jihad dans la ville de Faisal. Il n'est pas dit à Constantin. Vous comprenez ce qu'on veut dire où là? Il n'est pas dit à Constantin. Il est dit à la ville de Faisal. Faisal, c'est les rois qui étaient. Les rois, Faisal. Les rois, c'est Faisal. Il dit les rois de Rome. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit le premier homme qui a là-bas, qui a fait jihad là-bas. Ben, on l'a pas se dire qu'il est pour qu'il n'a bien Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pareil comment, vous parlez comme ça, avant le capital que tu étais dans l'époque, peut-être ben, Dutch ou bien France, pas qui, le capital tu prends pour non, avant l'aime pour lui. Je veux dire qu'il est pour qu'il n'a bien Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à sa hadith là, la ville de César, ce n'était pas Constantinia, c'était Hims. Et l'autre, la ville. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu voulais dire Hims. Il va te dire pour Constantinia. Vous avez compris? Et ça, la ville Hims là, ça, tu finis conquérir ça dans l'époque de Hazrat Umar radiallahu ta'ala. Là, Yazid, pas encore même né. Yazid est né dans la khilafat Ousmane radiallahu ta'ala. Hafid ibn Hajar il écrit à ça, ni une réponse pour ça. Oui, il y a Hims, troisième réponse pour ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit premier homme qui a fait jihad là-bas, maghfour lahu. Ok. Le diable est un petit nous sommes d'accord avec ça, qui, premier homme là, Yazid Tilada. Ok. Mais seulement, est-ce que ça veut dire, si il est là-dedans, alors, après sa jihad, quand il retournait, ce qu'il y a envie de faire, il y a encore pardonné même. Il y a encore pardonné, c'est-à-dire qu'il finit pardonné. Mais qui est arrivé là? Dans le hadith de Sahih Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a celui qui n'a fait un hajj. Il n'a pas commis aucun guna, il n'a pas fait rien, il descend, il fait son hajj bien, sincèrement, tout correct. Il est retourné comme le jour qui son maman qui donne une naissance. Alors, ça fait un moment que j'ai fait un hajj. Mon fini retourne comme le jour qui mon maman qui donne une naissance. Et là, quand mon fini, c'est qu'il m'a envie de faire. Là, le prochain réveil, il existe un moment où mon petit pareil, va dire pareil. Quitte ça. Fais bâtiner avec lui. Un hadith maintenant, non, c'est à comique. Un côté, quand ça va voir Habib, la femme, ça va être écrit des hadiths à Zahir. L'autre côté, elle m'a dit qu'il y a un hadith là, Sophie. Et c'est là, comme il va en aller là. Elle m'a dit qu'il y a un hadith authentique, la femme, ça va être écrit des hadiths. Alors, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit quand des musulmans jeunes, et maintenant je fais un moussafaha en Dieu, des musulmans jeunes, je c'est à la messe que Moussa a fait. Il n'a pas fait Allah ou la Houma, comme la main n'y a pas fait. Avant qu'il soit des musulmans séparés, Allah Ta'ala finit par deux de sa des musulmans. Hadith, authentique après le vin. Mais pour aucun, on fait ce qu'il m'a envie. Après, vous allez nos camarades, salam alaykum. Boy, minimum, maghour, même vers ça, rafara, maghour, même vers ça. Pardonnez, vous réalisez pour faire ce qui m'a envie. Assalamu alaikum. Ça, vous pouvez faire beaucoup de fois avec lui. Vous pouvez faire beaucoup de fois avec sa là-bas. Donc, comme ça, ma vie de Mouhajab, il dit là, c'est mashrout. Mashrout veut dire qu'il y a une condition là-dedans. Sous condition, c'est ça,
oui, on est pardonné, on est pardonné, mais seulement après ça, on n'a pas fait le travail qui compte l'islam. On n'a pas fait le travail qui compte l'islam. Voilà, Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani explique ça dans Fathul Bari. Et avant de terminer maintenant, un petit message à Mme Yazidi qui est là. Ibn Taymiyyah, il dit de ce fatwa, Majmu' al-Fatawa, volume 3, page 412. Il raconte, Ibn Taymiyyah, il raconte, il dit à Salih Ibn Ahmad bin Hanbal. Salih, Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, ce garçon ça. Il dit avec ce papa, vous connaissez papa, Inna qawman yakuluna innahum yuhibbuna Yazid. Il dit pourquoi il n'a pas dit, moi je venais de dire, je suis content Yazid. Maintenant, je dis que je suis content Yazid. Imam Ahmad ibn Hanbal, il récolte les dires. Réfléchis, Wahhabi. Réfléchis. Au moins, réfléchis de sa parole de Imam Ahmad ibn Hanbal. Allah donne toi tes derrière. Ya Bunaya, oh mon garçon, wa hal yuhibbu Yazid, ahadun yu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Et là, est-ce qu'il y a un djimoun qui est un iman de Allah? Il a l'imam le dernier jour. Est-ce qu'il y a un musulman capable de compter Yazid? Est-ce qu'il y a un musulman capable de compter Yazid? Ibn Taymiyyah nous rapporte ça. Nous nous comptons à l'évêque de l'Abbar. Et c'est ça, nous nous comptons à Banna, Inch'Allah. Inch'Allah, nous ensemble avec Banna là-bas. Et nous bénéficions avec ce chaparat. Inch'Allah, nous. Reste ensemble avec Manna de Janda. Ou bien nous restons une place. Maintenant, nous avons une place côte. Nous restons une place côte comme on est capable de se dire avec Inch'Allah. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillah.